Bonjour, bonjour. Alors comme j'ai vu que la vidéo sur le kit de Faber-Castell vous avait plu, je me suis dit que j'allais vous préparer une autre vidéo sur ce kit afin de vous montrer, c'est bien beau le test, mais est-ce qu'on peut faire du manga avec? Et du coup, je me suis donné un peu le challenge en fait d'essayer de faire au moins une page. Et du coup, je vais faire le début et la fin. Enfin, je vais vous montrer le travail que j'ai pu faire déjà avec le kit et forcément des feuilles blanches parce qu'il n'y a pas de feuilles blanches dans le kit. Et ensuite j'ai préparé de quoi faire la page et je ferai une case en vidéo et je vous montrerai le résultat final qui sera donc uniquement fait avec donc ce qui est proposé dans le pack, vraiment uniquement. C'est-à-dire la gomme, les liners, c'est surtout le liner le plus important, et le crayon pour voir vraiment si vous pouvez faire un équivalent de manga. Alors forcément, on a rien pour faire des nuances de gris dedans, donc on aura juste du noir et blanc, mais ce sera déjà pas mal. Donc du coup, on va travailler. J'ai préparé une feuille, donc que vous voyez. Juste là, j'ai préparé donc parce que quand vous ferez forcément des pages, vous aurez un storyboard. Donc là, j'avais juste une page à faire, donc je me suis trouvé un contexte, donc un script avec des personnages que j'avais qui traînaient dans le coin, et j'ai fait une petite page que j'ai storyboardée donc ici. Alors c'est pas de l'action forcément, parce que je suis pas très versée dans l'action, et du coup j'ai avec le matériel du kit, j'ai fait des personnages qui vont apparaître en noir et blanc pour voir déjà qu'est-ce que ça va donner sur la page. Donc allons-y, commençons. Donc j'ai préalablement déjà fait les cases avec la règle donc du kit, comme ça c'était plus simple et plus rapide. Et du coup, allons-y pour le croquis.
Et voilà le résultat. Alors du coup, très satisfaite du starter pack de Faber-Castell. Vraiment, je vous fais des zooms pendant que je parle. Donc tout a été fait vraiment, à part la feuille, hein, qui n'est pas, il n'y a pas de feuille dans le kit. Tout a été fait vraiment avec tout ce qu'il y avait dans le kit, même la règle. Du coup, la seule chose qui n'est pas très utile dans le kit, bah, c'est le mannequin. Mais ça, c'est si vous préférez ou pas les mannequins. Ça peut arriver que vous aimez bien les mannequins. Ça peut aider aussi les mannequins. Mais faut bien savoir s'en servir, quoi. Du coup, le kit est vraiment du coup, très très bien pour quelqu'un qui commence. Le seul truc qu'il faudra faire avec ce... Enfin, que ce que ce kit ne pourra pas faire à l'avenir, c'est que bah, une fois que vous avez fait pas mal de pages, enfin si vous faites que des pages ou de l'illustration, eh bien il vous faudra racheter très probablement donc les liners parce que ceux-là ne sont pas rechargeables et donc du coup c'est le seul bémol. Après le temps que vous les videz, je pense que ça prendra. Vous les viderez pas tout de suite. Mais vous les viderez quand même assez vite si vous faites des planches, en tout cas. Mais sinon, là vous voyez, sans trop de soucis, et j'ai pas eu de créer de liner qui arrivait plutôt déjà au bout, malgré tout. Malgré que j'ai fait plein de petits traits, même pour la pluie, sur la fenêtre, des petits traits pour les détails. Les feutres sont encore en très bon. Fonctionnent toujours aussi bien. Le crayon de papier, vous n'aurez pas de soucis, la gomme aussi, la règle forcément. Donc vraiment le kit. De toute façon, Faber-Castell, ils font des très très bons liners de base. Donc c'est juste qu'il faudra en racheter bah, dès qu'il y aura plus, dès qu'il y aura plus d'encre. Mais vous pouvez les racheter à l'unité sur le marché, voire ils font même des petits packs. De 3, 4 ou plus de liner si vous avez besoin de plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir.